bien salut à toutes! Merde. Et action. Et bien salut à tous et à toutes! J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve après 3 semaines d'attente, peut-être un mois. Je suis désolé, il y a eu un enchaînement de galères. En premier, j'étais en vacances et j'avais pas mon matériel de film, donc je ne pouvais pas filmer. Et puis après, j'ai été largement malade et j'ai essayé de vous faire des vidéos. Mais ma voix était cassée, ruinée, et c'était juste impossible. Bref, je suis désolé de mon absence. On se retrouve maintenant au jour 8. 8. Et on fera aussi le jour 9, car vous verrez qu'ils sont assez liés. Ce 8e jour était beaucoup trop court. On a commencé par 3 bonnes heures de route, pour aller sur un site où il y avait un volcan. On arrive à l'heure de la collation, vous y êtes habitué maintenant. Donc on mange un peu, puis on se dirige vers la boutique, où je vais acheter une magnifique plaque que vous voyez juste là. Ça c'est pour ma chambre, j'ai évidemment acheté des cadeaux pour ma maman. Un verre à tequila, parce que je lui avais cassé le sien, et un mug pour ma grand-mère. Puis on commence le chemin du volcan. C'est assez court, sur le chemin le guide nous montre 2-3 plantes, dont une plante avec un nom atypique, littéralement le parapluie des pauvres. Elle est très jolie, elle se trouve un peu en forme comme ça, et la légende dit qu'à l'époque, les pauvres l'utilisaient pour s'abriter de la pluie et du soleil. C'était très intéressant, mais surtout très beau. Mais le plus beau reste à venir. On arrive sur le site du volcan. En un mot, waouh ! Je n'ai honnêtement jamais vu quelque chose pareil. C'était juste indescriptible. En plus, moi qui suis fan de pierres et de cailloux en tout genre, j'étais au paradis. Pierre volcanique par-ci, cristaux par-là, métaux en fusion encore par là-bas. C'était juste trop beau. Mais c'était trop court. On est resté même pas 30 minutes au volcan. Il n'y avait rien. On l'a vu, c'était cool. On voulait rester un peu plus longtemps pour tout admirer. Mais non, on est reparti. Et là, je pensais qu'on nous avait préparé quelque chose. Pas du tout, on est rentré. On a donc repris le bus pendant 30 minutes pour aller manger dans un restaurant. Au restaurant, on a mangé du calado con carne. C'était assez bon, mais franchement, ça m'a donné mal au ventre. Puis après ça, on est rentré au lycée. Un peu décevant cette journée, mais bon, au moins on a fait une activité. Le soir, je suis donc allé chez Arthur et Gabo pour jouer à la play. On arrive sur le 9e jour, indéniablement l'un des meilleurs. Ça nous change du 8e jour. On commence par quelques heures de bus, ça devient une habitude dans ce voyage. Puis, on arrive sur le site. Le programme que nous avaient donné les profs était simple. Visite d'une plantation de cacao. C'est tout. Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? Et la surprise, la tyrolienne. On va faire de la tyrolienne au-dessus d'un lac. Enfin d'un lac, pardon, d'un fleuve. C'était juste, mais dingue. On a tous adoré, il y a des dizaines de vidéos. C'était fou, la vue était magnifique en passant au-dessus de ce fleuve. On est reparti pour voir cette fameuse plantation de cacao.
C'était franchement super intéressant. On a vu tout le processus de fabrication du chocolat. On sait maintenant que l'arbre de cacao met 4 ans à pousser, peut produire... fleurs par an, et que seulement 1 à 10% d'entre elles vont être pollinisées et devenir un fruit du cacao. En plus du fait qu'il y ait peu de pollinisateurs, que les animaux mangent les fruits, il y a un champignon, le Monilia, qui tue le cacao. C'était très intéressant. Puis on a marché un peu, on pensait qu'on allait aller manger, la journée était déjà folle. Et là non, pan suspendu au-dessus du même fleuve auquel on est passé en tyrolienne, mais ce coup-ci beaucoup plus grand. C'était... mais dingue. Hey. 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 Ensuite, on est rentré en bus. Et c'était notre dernier voyage tous ensemble. Donc on a mis de la musique, on a dansé et on a chanté avec le professeur Monsieur Yepes. Yo-yo, si tu passes par là, c'était franchement trop bien. Puis, avec ma famille, Gabo et Arthur, nous sommes allés faire du kart. C'était franchement trop bien. J'ai terminé deuxième. Il me restait un peu d'argent, donc je nous ai offert une partie de billard. Et devinez quoi, on a gagné avec Manu, 3 à 0. Momento, momento. Bref, une journée et une soirée incroyables. Voilà, honnêtement, le jour 8... et le jour 9 sont deux dépaysements totaux. Le jour 9, les paysages étaient juste mais magnifiques. Le jour 8 était certes un peu court, mais honnêtement, on ne pouvait pas regretter la visite d'un volcan. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va garder le rythme des une vidéo par semaine, ça me convient assez bien. J'arrive à allier cours, vidéos et autres projets perso. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. C'était Arthur pour la chaîne Arc Quantique 421. Ciao tout le monde. Pura vida.